Bienvenue à Shanghai pour ce qui sera assurément une séance de qualification fantastique. J'ai revu les temps forts des courses précédentes sur ce circuit et ce qui est frappant, c'est de voir à quel point le premier virage est difficile à négocier pour tous ces pilotes qui sont à la lutte au moment de le franchir. Ce virage a été la scène de nombreux accidents avec tous ces pilotes qui se bousculent pour la meilleure place. Entre la tentation d'attaquer et l'instinct de conservation, le choix est difficile, mais il n'y a aucun intérêt à se précipiter si c'est pour ne pas en sortir indemne. Et même le leader devra se méfier de ses poursuivants. Les qualifications viennent de se terminer. Revoyons qui sont les trois premiers. Bottas, Hamilton et Max Verstappen. Les qualifications sont terminées. La grille de départ est maintenant établie pour la course de demain. Alors ne manquez surtout pas ce Grand Prix qui devrait tenir toutes ses promesses. Bon, je crois qu'on peut parler de qualification réussie. On s'est donné les meilleures chances pour la course. C'est le moment de découvrir quel pilote sera capable de s'emparer du Grand Prix de Chine ici à Shanghai. Le circuit international de Shanghai est un tracé très rapide, composé de 16 virages. Les courbes interminables en escargot des virages 1 et 2 mettent le talent des pilotes à l'épreuve, tout autant que leurs pneus avant.
deux zones de DRS facilitent les dépassements, la première au virage 1 et la seconde au bout de l'immense ligne droite de plus d'un kilomètre qui mène au virage 14. Nicolas Martin est à mes côtés pour commenter la course. Merci de nous avoir rejoints. Dites-moi Nicolas, vous étiez sur la voie des stands il y a quelques minutes à peine. Que pensez-vous des conditions de piste aujourd'hui ? La piste semble propre, mais c'est la température qui m'inquiète un peu. Il fait relativement froid ici et ça va être plus compliqué pour les équipes de maintenir les pneus dans leur plage d'utilisation. Les voitures qui demandent beaucoup à leurs pneus, qui transmettent beaucoup de puissance, ce seront les mieux loties. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier, le Finlandais part en tête du peloton et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Verstappen, Leclerc, Alexander Albon et Vettel, une McLaren, Weber, Norris et Pierre Gasly, Grosjean, Raikkonen, Daniel Ricciardo et Butler, Perez, Fiat, Nico Hülkenberg et George Russell. Giovinazzi et Robert Kubica occupent la dernière place sur la grille. L'extinction des feux est imminente, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Maintenant qu'on a marqué des points, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On vise encore une arrivée dans les 10 premiers.
mètre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. Sur ce tour.
ça, on met les gaz, on reprend la course à la sortie. Fonce, fonce! Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ses gommes. Qui nous précède est de 7,5 secondes. Au travail. Comme ça.
avec le pilote de devant est de 2,0 secondes. Voici l'écart avec notre coéquipier, 2,7 secondes. Mène la course. Sur la voiture de devant est de 2,8 secondes. Il nous reste 5 tours de carburant. Rattrape la voiture de devant, mais attention à tes pneus, ils doivent durer jusqu'à la fin de la course. Thank you.
Quelques infos au sujet de Bottas. Leur monoplace a des soucis, ils vont tourner au ralenti. Avec la voiture qui te précède est de 6,4 secondes. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. C'est ton dernier tour. Rendez-vous au parc fermé. Red Bull a tout donné aujourd'hui. Superbe victoire. Dites-moi, Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? Ça peut sembler un peu réducteur, mais je pense honnêtement que c'était principalement dû aux qualités de la voiture. On pourrait parler des qualités du pilotage toute la journée, mais si on n'a pas une bonne équipe sur laquelle s'appuyer, on ne va pas bien loin. Quand on a la chance d'avoir à la fois un excellent pilote et une voiture incroyable, on ne peut avoir que des résultats comme celui qu'on a vu aujourd'hui. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leur joie.
Examinons l'évolution du classement des pilotes. Nous avons un nouveau leader au classement du championnat suite aux résultats du jour. Après cette incroyable course, qui est pour vous le pilote du jour, Nicolas Martin ? On ne peut rien reprocher à Sergio Pérez aujourd'hui. Il a fait preuve d'un pilotage sans faille. Le choix était facile pour moi. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Mercedes se hisse au sommet du classement. C'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous venons d'assister. J'ai vraiment hâte de voir la suite. C'était une bonne journée. Quelles sont vos impressions ? Vous avez devancé de nombreux adversaires durant la course. Vous avez donné l'impression d'être parfaitement à l'aise sur la piste. Votre équipe doit être comblée. Vous dominez le championnat. C'est une position favorable ou la pression est-elle trop forte ? Vous avez des commentaires à faire à propos des collisions ? Bien, ce sera tout, merci. N'oubliez pas de désigner un rival parmi les pilotes figurant sur l'écran de rivalité du poste de travail. Si vous faites mieux que votre rival, vous gagnerez en crédibilité et serez en mesure de mieux négocier vos conditions lors des révisions de contrat. On dirait que l'un de tes rivaux aussi va se rendre à une prochaine épreuve historique. Si tu choisis de l'affronter, ça pourrait être bon pour ton image.